Ok, c'est parti. On joue les Russes. J'ai pris anti-char, j'ai un fusil anti-char. Je me sens impuissant. Ok, je l'ai eu. Je l'ai eu. Les toucher. Oula. Oula, l'arme a tiré toute seule. Qu'est-ce qui se passe? Je sens que ma sensibilité un poil changeait. En plus, ce coup là de l'arme qui tire tout seul, je sais pas, ma souris déconne. C'est bien, on est un peu regroupé. On va essayer de continuer à progresser par là. Bah sur la colline de son. Et je peux poser des caisses si tu veux. Ouais. J'ai eu. Mais je suis mort. Ils sont à gauche les gars. C'est pas moi qui l'ai eu. Ok. Ok, mais j'ai eu. Ah non de Dieu, il m'a touché ce salaud. D'abord y'a pas de médic. Je me défends mais... Ah, c'est pas ouf. Oh ça marche le truc. T'approches pas trop avec ta bombe quoi. Oulala oulala oulala. Quoi? Oh le spawn kill de malade. On se fait mais soulever hein. Ça c'est pas... On est plus en 41 qu'en 43. Au moins là on s'est plus tiré dessus. Ouais, on va essayer. Oh, on a perdu. Bon bah ça a été expéditif. Hein. Bataille de la souffrance. C'était... J'ai rarement vu ça en fait. Bon j'ai réussi à en avoir 7 quand même. Et... Oh j'ai quand même réussi à éliminer plus d'ennemis que je suis mort. C'est... Ça c'est une prouesse vu ce qui s'est passé. Bon, maintenant on va se retrouver sur une vraie bagarre, une bataille qui va durer toute sa durée. Ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Dans une partie déjà bien avancée et à notre désavantage, comme 9 soit sur 10. Ok, ce sera la bataille de Satmer Église la nuit, histoire d'être encore bien plus compliqué. Ah, première fois que je me base sur Satmer Église, depuis que j'ai repris le jeu, ça fait plaisir. Oh là 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 là. Là je crois que je vais descendre d'ici, hein, j'ai pas confiance. Oh là là là, je me casse. Ah bah ça va. Je suis sorti juste avant de me prendre le dernier arrêt. Est-ce qu'on voit quelque chose par cette petite fenêtre ? Ok, ça fight. Ok, artillerie ennemie. Bah, je crois. Ok, ça fight déjà au début. Voilà, mais je vais me faire prendre un tir d'artillerie, j'ai rien à comprendre. Voilà, 57 ennemis. Oula, oula. Le temps de récupérer la paix avant que le point saute. Compliqué. Ils sont partout, on est partout. Donc il va falloir attendre 30 secondes de la paix. On s'entremêle. Petite astuce, quand vous allez perdre un point, prenez votre équipe. Aucune idée si je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. T'as dit de faire la défense ou pas? Comme tu veux. Ouais, là c'est une grenade là-bas. Je suis tes ordres. Bon, de mon ah non, il y en avait un juste au-dessus. Oh. Je peux vous demander. Alors, où vous vous cachez les Americans? Oh. C'est atterri dans la ruelle, non? Oh là. J'ai touché.
pas si je l'ai eu. C'est plus celui qui shot qu'autre chose. Je l'ai eu. Je vais mettre un marqueur déplacement pour mon soutien. Bon bah je vais rester un petit peu ici histoire de voir s'il y en a d'autres qui veulent monter leur bout du nez. Alors il doit avoir un AP là-bas. Ça va être compliqué à mettre. Ah oui. Ah bah limite si on la met genre vers là je pense. Je l'ai eu. Elle est mal mise pour arriver vers l'ouest. Ouais, mais je pense que t'as les 200. Ok, petite tête de pont. On va tenter de les prendre à revers. Par contre là on voit que ça tire déjà un coup de canon. Pas bon signe. Ok, c'est bon. Ah. Bon bah ça se passe assez mal. Ok, je vais mettre un AP. Tiens, si tu sais venir à la paix, mettre une petite caisse. Ouais, je suis pas très loin derrière. Magnifique. Et alors en fait, j'hésite, soit on fait de l'attaque, parce qu'on a pas vraiment d'attaque, soit on remonte et on casse l'attaque de... On casse leur attaque. Allez, on repart en enfer. Pour le moment, je ne fais que me faire victimiser depuis que j'ai lancé le jeu. Bon, moi ici, ça a l'air d'être calme, mais... Pas sûr que ça reste très longtemps. Il y a le char à côté de nous, même si c'est un loot, un léger, on va essayer de protéger un petit peu. Première fois que je fais autant de pas sans me faire tirer dessus. On peut se diriger vers le marqueur déplacement, on va essayer de mettre une garnie là, ça pourrait être pas mal. Ouais, je suis à moitié de la caisse. Ok, c'est vraiment on est super sur place. Ce que vous faites. Ouais, bien sûr, je me doute qu'elle est pas prête. Partir de là, n'ayez pas peur de vraiment avancer lentement, prenez des vues, regardez, tirez. Vous allez voir une garnie dans le coin. C'est sûr, ils ont le gap. Je ne vois rien. J'essaie d'aller mettre derrière la maison là-bas. J'essaie de voir si j'ai pas une meilleure vue. Alors en plus on dirait qu'on peut monter dedans donc... C'est assez chiant quoi. Ils ont du mal parce qu'au sud de la défense ça vient. On est la meilleure squad à la fois pour l'attaque et à la fois pour remonter et casser leur attaque du sud. Par où je rentre? Au pire on va faire les deux. Vous avez passé en attaque et moi je vais remonter au sud et essayer de péter un maximum de trucs. Ça tient juste à côté. Une fois que vous êtes sur cimetière, avancez vraiment doucement. Ah, par ici qu'on passe. Le contact et une garnie qui tombe. Ok. Si jamais la peste quitte le moins, ou si vous voulez que je l'avance. Il m'a eu. Putain, il m'a eu. Ah, je vais le déplacer. Ah là 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 là. Bon, juste au pote, mais lui, j'ai raté. Ok, bien joué. Alors nous on va passer en attaque, hein. J'ai convaincu le commandant. Ok. Donc on peut aller vers le marqueur de placement et on va essayer de passer par le nord du cimetière. Et certainement on a une garnie. Ouais, une garnie. Garnie a pingé 2 secondes là. Ok, le mec est sur moi. J'arrive. Yeah. Allons nettoyer cet endroit. Littéralement sur mon corps. Je l'ai touché mais je l'ai pas vu, il est dans le coin du mur. Ouais, je me suis fait avoir aussi, il est okay. Pas seul. Bon, à être à con, les Américains qui nous foutent la pâtée. On gagne mais pas beaucoup là, c'est serré. Il est dans le clocher. Je lui ai mis une tête au clocher, je sais pas s'il est tout seul. Il y a un char près de l'église, c'est à nous ou à eux?
C'est un nom. Ok. Il y en a encore au niveau de l'église ou pas? Là j'en vois pas. L'église a l'air d'être bon, mais... Vérifie quand même le clocher, c'est à côté. Il y en a dans l'église. Dans la maison. Ils ont sauté. Ok, j'ai mis une... Mais il y en a encore. Ok, bon. Il y a encore dans la maison sur. Il y en a dans l'église et dans la maison là-bas. Je sais pas si c'est celle-là, plutôt celle derrière. Je suis pas bien placé. Il y a un mec qui s'est fait abattre. Alors. Ah ouais, belle vue sur la fenêtre. Waouh. Y'a un mec dans la maison. Quel? Ah. Ah ouais, elle ne sert strictement rien à cette maison. Oh. Ok, ça c'est Panzer 2. Je viens d'abattre un mec qui essaie de s'infiltrer dans l'église, donc il essaie encore d'atteindre l'église. Il y a un mec sur mon ping. Il y a un mec sur mon marqueur attaque. A... Clocher de l'église, j'en ai eu un. Ah, on va encore monter. Ça s'infiltre dans l'église, des deux côtés. Pour moi. Ok. Contact là-haut. On va aller les chercher hein, parce que là c'est compliqué de les avoir si loin. Donc, on l'a vu courir là-bas. Alors, on va rentrer, on va nettoyer tout ça. On va essayer surtout. Ça bouge beaucoup son ping. J'ai une garnison ennemie. Beaucoup de mouvements américains à l'extérieur de l'église. Je vous ai monté une garnison. Ça traque le char. Bien joué. C'est bon, démantelé. Je vois où t'es. Oui, il y a quelqu'un là. Ok, j'ai vu. Et j'ai eu leur supply aussi. Bien joué. Super calme, j'aime pas ça. Le commandant demande si jamais il y a un doux qui veut faire un JL, un jeu de nœuds. Honnêtement. Je me suis fait abattre à la terre de l'église. Ok, c'est noté. J'entends un AP sur ma pose, je vais essayer de le shooter. Ah, j'ai pas eu. Il est dans l'angle gauche au fond de l'église. Dès que je respawn, je vais te pinger. Bon, allez, on va essayer de le trouver, lui. Oh merde, regarde. La paix serait par ici, normalement. De toute façon, on sort pas par là. Tu m'as dit qu'il y avait un AP pas loin de l'église. Non, la paix que j'ai vue, il était au niveau du cimetière. En fait, non, mais j'ai mal compris. Je me retourne, il y a un mec devant, je l'allume. Dans le clocher d'église, il y a quelqu'un, je viens de me faire. Ah. J'ai pas
pas comment on peut le sortir de là parce qu'il a vu sur les escaliers. Un petit peu compliqué. C'est vers mon corps, attention, je crois. Attention sanglier, il y a du monde là, je vois du mouvement dans le clocher. Merci. Allez. Ça va être compliqué de les déloger de là-bas. Hein. Sérieux? Dans la maison, ça, à mon avis. Bon, bah, on a perdu l'église, hein. Je crois qu'ils se sont bien installés dedans. Ah, oui, ils sont dedans. Même autour en soi. Ok, ça va être casse-couille, mais on va devoir remonter sur les. Tiens, tu peux me coller aux fesses? Ouais, je te suis. Merci. Ouf, j'ai réussi à passer. On va essayer de piquer à gauche dès que possible. Deux garnis de def, on se fait. Ah non, il devrait réussir. Je l'ai eu, il est mort. Pas grave, on va en mettre une quand même. Tous les autres, vous pouvez continuer à pousser vers le cimetière. Hein. Il y a une vilaine mitrailleuse sur le flanc gauche du village où il y a l'église. Quel enfer! Cette zone est super difficile à prendre une fois qu'elle est. Ouf! Bon, c'est pas grave. Allez, rebelote! Apparemment, il y a du monde devant nous, toi, ouf, attention. Ouais, j'ai vu un mec traverser. Stop, regarde ta carte, il y a un bombé. Ouais, je vois. Recule même un peu. Ouais, c'est bon. On peut essayer de passer par le nord, je vois qu'il y a des pings. Au niveau de la haie, là où je suis mort. Méfie-toi. Ouais, je vois pas les tirs. C'est bon. Ah, pourquoi? Mais je me méfie de cette maison là. J'ai l'impression que la plupart des enfants s'est fait tirer dessus depuis là. Bon, là, il arrive à quoi sans se faire tirer dessus, donc je pense que. On va essayer de nettoyer leur nord. Ils ont décampé entre temps. Je vous demande de faire un peu le yo-yo, je suis désolé, mais. J'avoue que j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Je parle en même temps. Il y a du monde dans l'église ou pas, les gars? Je sais pas, je suis. À mon avis, oui. Personne n'a été les déloger. Donc... Je pense qu'ils y sont bien planqués. Ok, j'ai peut-être un AP possible sur mon ping. Ah, y'a un mec sur le garde. C'est une garnison. Putain, la belle garnie qu'on a mis, elle saute déjà, quoi. Ouais. Et sur mon corps, y'a plein de mecs qui spawnent. Ouais, je suis mort. Finalement, y'a personne dans l'église. RS. Écoute, soutien dès que t'as cassé près, dis-le moi. On va en remettre une sur arrivée par l'ouest parce que à cette allure là. Ouais, mais du coup je vais descendre. Vue. Non, quand tu es mort, au pire je te remanappe. Ça tirait là non pas, Ouais, ok. Oh bah, personne, hein. On dirait qu'ils ont lâché l'affaire ici. Là par contre ça tire.
pas de soutien, fais ta vie tranquille, je te remettrai un AP, tu reviens sur l'AP. J'ai des soins d'AP, mais c'est pas normal. Pas rien, je vais rester ici. Ouais, ouais. What the fuck? Bon, bah, je vais descendre et je vais voir si je peux pas aller attaquer avec les autres. Et voilà, on perd déjà. Oh, sûr. Génial. Bon. C'est vers où on va devoir se déplacer. En fait, je suis revenu avant, mais je me suis fait décaler direct. Ça aurait été trop beau qu'on gagne une partie. Hein. Il est dans le bâtiment, le mec. Ah, ils sont sur moi. J'ai du monde à côté de moi. Coussez-vous et on doit juste protéger pour que les alliés arrivent. Ok, il est dans la maison entre la paix et moi. Espèce de ruine. Bon, j'arrive sur le lieu du massacre. On va rester prudent. Ah, là, il y a du monde là. Je l'ai eu. Alors lui, j'ai pas vu arriver de droite à gauche, donc il doit être un petit moment. Ils sont rentrés à 3 avec quoi. Des copains. Et il est possible qu'il y en ait un du coup l'autre côté de la route dans le bâtiment à étage. Ouais, ils sont plusieurs. On arrive plus à recaper au spice. Quelqu'un qui souffre. Si je peux aller là. Détruire au fusil, ils m'ont achevé au canon. Ah, là, t'es pas. Ok, je recharge. Il y a du monde ici donc. Ok, je t'ai eu. Je décale. Je crois qu'ils sont pas seuls, j'entends encore des bruits. Grenade. Je suis absurde d'avoir la balance. Alors c'est trop loin, trop au-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai bugué entre le viseur et le tireur là. Alors de viser et tirer, j'ai fait n'importe quoi. On s'en fait 3. Là je les enquiquine, là je le sais. Tu veux que je te rapproche un canon de supply, SL? Ils sont en nous? Ils me cherchent. En fait, je vais en déplacer un et puis je prends cette chaîne. T'as été juste ouais, en face. Mais je vois pas le mec, s'il y a un mec. Bon. Donc là, on est en défense, on est en train de perdre du terrain. L'ennemi a repris l'avantage. Il en faut de la map suivante, il faudra dire qu'on finisse cette map-ci. Et. On croise les doigts. Bière française. Erk. Oh. Là, bizarrement, on voit les logos de nos mines. Parfois, on les voit pas. Je sais pas ce qui différencie le fait qu'on voit le logo de la mine ou pas. Je trouve ça un petit peu bizarre. Et après on détruit les mines de nos alliés sans s'en rendre compte. En pensant que c'est une mine ennemie. Regardez, là on a le logo aussi. Ouais, allez.
Ah, ils ont bien miné la zone. Donc il y a peut-être des infiltrés ici. On n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un qui va nous défourailler la tronche comme c'est arrivé juste avant. Ceux qui sont au nord, tu peux venir avec moi au nord ? Ouais, je peux, ouais. On va faire une petite balade en jeep. Si jamais il y a... il reste deux places dans le jeep, si jamais ça tente. Attends, je redé pas. Ouais, à ton aise, tu peux faire ta vie tranquille, hein, très casse. Ok, ils l'ont eu. C'était lui, je crois. Par contre, faites gaffe, les gars, ils sont pas en est. Le gros ennemi est pas en est, il est au nord. Bon. Oh. Dans notre 2 ça passe. Il y a certainement de la recoder. Je suis le gardien de la paix, le patrouilleur des rues. Mes ennemis se trouvent ici, dans nos propres maisons. Dans notre propre point à défendre. Et alors que tout le monde court vers la mort, moi je reste. Et je meurs quand même. C'est vraiment en extrême bord. N'ayez pas peur si je prends en bordure de carte, on a 30 secondes avec le véhicule. D'ailleurs coupé. C'est pas vrai. Personne s'occupe d'eux hein. Oh là 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 là. Personne va à la défense. Pourquoi personne va à la défense? Pourquoi même moi j'ai lâché la défense? Ah oui, parce qu'il n'y a plus de garnison à la défense. On se fait rouler dessus. Oh, c'est quoi ça? Malade. Ça se bagarre là-bas, mais je vois personne. Je prends le risque de traverser à découvert. Je suis un fifou, moi, attention. Un fou furieux. Ouf! Je monte une garnison à côté de la paix. Ça, c'est à char, ça. Ah, y'a plus de garnison, y'a plus rien sur la def. Pour les morts. Oh, le char il a fait boum. Ouais, il a fait boum le char. On a détruit un AP, tu vois, c'est magique cette camionnette, j'adore. Ah. Oh, lance-flamme. Désolé, copilote, je t'avais dit que t'avais une place du mort. Hein. Allez, on va traquer les Américains. Ils viennent de charger la caisse si tu veux pour ça sort très mettre bien une guerrière attaque sur arriver par l'ouest du coup quand on va la perdre le point. Et ah ouais, on va perdre le point, mais c'est fini tout. Ah, j'ai pas le temps de récupérer la paix. Ah, quelques. Ah, si je vois rien. Oh, mais t'as reçu. Aïe! Vous allez pouvoir poser un AP ou pas? Non, je me suis pris le cooldown, j'ai les. Si, je l'ai, attends. Allez, viens me voir. Venez me voir là! J'ai posé une caisse sur ma position, si jamais il y a une salle qui passe. J'ai posé un AP, mais il est foireux, parfait. Je vais vous le déplacer dès que possible. Vas-y, je respawn sur la paix. Pas d'autre éliminer le troisième. Il est clean, mais il va être foireux dans quelques minutes. C'est le commandant qui. Ah. Il tire du ravito ce qu'on appelle.
coquin. On va vite se faire découvrir, mais je vais essayer. Je dois mettre la grenade, c'est mon rôle. Non, le petit Panzer 2 qui a été pété ici. Ah. Courez pas en plein champ, hein. Prenez les, les bords de, champ. Avant. On est en train de perdre comme d'hab. Ah, si vous m'avez dans votre équipe, vous avez 9 chances sur 10 de perdre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se déplacer vers le marqueur déplacement. Quand vous êtes mort, repasse en D. Il y a la garnie en B8 qui est dispo. La défaite est proche. Oh là là, c'est la cata. C'est la cata. C'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. Oh, là, ça bouge. C'est une crasse sur mon écran, génial. Avance pas, Super Duc. Vas-y, tu peux y aller. Ah. Ok, là il y a des mouvements. Ouh, mitrailleuse. Bien joué à vous, merci. En tout cas, super, vous m'avez bien écouté. Allez hop, j'en ai eu deux. C'est l'entrée. GG. Fini, j'espère. Bah, je suis mouru. J'en ai apporté plusieurs avec moi. Merci. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Je suis mort 23 fois quand même, j'en ai éliminé 20 personnes. J'ai éliminé 5 officiers. Ah, ça a été violent. Série d'élimination. 5. Vie moyenne 1 minute 57. Et un ratio de kill de 0,87. Ah, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon. Il y a eu des belles séquences, mais c'est vrai que cette partie n'était pas spécialement ouf. J'ai fait un petit peu démonter, même si au début, il semblerait qu'on avait l'avantage. Ça s'est vite retourné contre nous. Donc la remontada ennemie était totale. Et le pire, c'est qu'on était la meilleure escouade. Hein. Elle était pas ouf pourtant. Moi, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire de référencement et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Bye bye.